Bon bah salut à vous les amis du YouTube, on part, on joue Triste Janna contre Caitlyn Tahm Kench. Salut. Je pense que ça va, le match-up est ok genre. Ok. Mais ok ouais, c'est un trade, pardon. Je pense que le match-up est ok, Caitlyn c'est très fort contre Triste, mais on a Janna Triste contre Tahm Kench, ce qui est bien. Du coup le match-up devrait tenir plus ou moins avec Janna. Faire attention quand même, on est. Enfin, si l'un de nous se fait manger, particulièrement Janna, elle meurt. En fait, Caitlyn Tahm Kench, c'est pas mal parce que Tahm Kench mange quelqu'un. Caitlyn pose un trap et il crache le mec dans le trap quoi. C'est des mécaniques avancées après, mais. Mais c'est pas mal. On start ici. C'est une duolane pas trop mauvaise. Après, c'est pas la meilleure étant donné que Caitlyn bénéficie pas énormément de. Merde, j'ai raté un Caitlyn. Elle bénéficie pas énormément de. Du W de Tam en défensif, étant donné qu'elle est déjà très safe. Notamment des trucs comme Jinx Tam sont un peu mieux parce que du coup Tahm Kench compense bien les faiblesses de Jinx, mais ça reste une lane pas trop mauvaise. C'est bien de jouer un peu contre des Kate. Parce que je la joue un. Ah, ok ça. Je la joue pas mal aussi en ce moment et je suis pas satisfait en fait de mon niveau sur Caitlyn. J'étais beaucoup plus fort avant sur le champ. Et du coup, jouer contre des Caitlyn, c'est bien parce que ça t'apprend un peu plus, tu vois. Tu vois, genre la pression que tu subis, comment tu l'as subi, pourquoi tu l'as subi. Et si tu l'as subi pas, bah. Tu vois un peu ce que toi tu fais. Enfin, je sais pas comment dire, mais. Jouer le match-up dans les deux sens, ça t'apprend quoi qu'il arrive. On n'a pas la pression, on va pas la récupérer tout de suite. Hein. Faut que je mette une petite auto dessus. Hein. On prend pas mal de pressure en vrai. Ok, je l'ai celui-là, je pense. Ah! Non! C'est pas le bon creep qui est arrivé en premier. Putain, on a un farming parfait, vraiment. Un truc aussi à savoir, c'est que Caitlyn est très très faible en all-in. Hein. C'est un AD qui veut clairement pas se faire all-in. Après, early ça reste quand même pas trop mauvais, tandis qu'elle a le filet. C'est-à-dire qu'en fait, si je la go in et qu'elle filet Q et que je me prends les deux, en fait, je vais prendre beaucoup de dégâts. Mais dès qu'on commence à avoir un petit peu d'objets, les dégâts de ses spells du coup sont moins importants. Tu me mets juste pas ce headshot, s'il te plaît. Il a un blue buff. Si branle avec un blue buff, t'inquiète. Mais Janna est pas là, je suis obligé de respecter. Chine-moi, chine-moi, chine-moi. Ça va. Majorité est partie dans le chine. Comme je dis, la lane n'est pas à mon avantage. Enfin, la lane. Le match pas n'est pas à mon avantage. Moi, j'ai le scaling. Et j'ai le mid-game, notamment, sur Caitlyn. Et même le late, en fait. Après, ça dépend des compos, mais. On a frame parce qu'elle a 5 creeps d'avance. On met la petite auto avec le flit histoire de sustain un peu plus. Je devrais pas perdre de creep là-dessus. Ah, je vais me le prendre ce headshot, j'ai pas le choix. Ça va, on farm tranquillou, on est un peu derrière en CS, mais la tour est full life et. De quoi?
Apparemment c'est Narcus, apparemment c'est Narcus. Parce que vous avez pas le truc mais... Non, Jeeves m'a dit que c'était Narcus. En gros il y a deux pains de mie, du coup tout sec, avec qui on a mis un croc dedans, genre sur la table de l'arène. Apparemment le responsable serait Narcus, d'après des sources fiables. C'est chiant par contre, il joue très agressif. Je voulais faire propre leur gardien. C'est chiant d'être sous tour quand on... Aïe, ça fait faire mal. Ok, ça va, mais qu'une auto. Là par exemple, il aurait pu me push beaucoup plus. Il y a toujours le trap, faut que je fasse attention. Ok, elle le prend, c'est bien. Ok, il y a Ken qui arrive. Je pote. Je suis désolé de pas l'avoir. On arrive, on arrive. Oh, bien joué ça. Attends, merci à toi, Didum. Je prends une full wave. Ok, bien joué. C'est un dragon du feu. Ils peuvent le faire ensemble. C'est un peu égoïste ce que je suis en train de faire là, mais... En fait, ça fout vraiment Shen dans la merde. Après, non, ça va en fait. Dans tous les cas, il était dans la merde déjà de base. Donc... ça, good job guys. En fait ça le fout dans la merde parce qu'il est obligé de stay. Et du coup il perdait beaucoup top, mais vu que la T1 top est tombée c'est ok. Vas-y go. Peut-être les bots rang 2 auraient été mieux. Peut-être un one shot statique aussi. Bon il est sous pour one shot statique, je sais pas si c'est mieux de one shot statique. Après j'ai pas d'AD et du coup je fais vraiment pas de dégâts. Mais j'ai le proc statique. Qui est pas trop mal avec Triss, hein, que ça synergise bien avec mon Q spell. C'est ok. En vrai, c'est ok, on prend beaucoup de kills. Un Drake contre une T1 top qui allait tomber, je pense, dans tous les cas. Oui, je compte ça, t'as stop lane, si c'est pas le. Elle n'a pas fait de BF. Pas d'info sur Kha'Zix. C'est chiant, on peut pas trop les all-in. Après j'ai mes deux sims, je pense que je vais les go. Hein. Le chase doucement. Faut pas, on peut plus. Il décale sans Malza au final. Ça aurait pu être mieux, ça aurait clairement pu être mieux. Ok. Je stay bot moi. Pour cancel l'ultime Tamken, j'ai mis décale. Pas eu cancel l'ultime du coup, mais. Moi je les freeze bot, c'est pas trop mal. Je pense qu'on aurait vraiment pu faire mieux par contre. J'aurais peut-être pu essayer de commit un peu plus. Garder en sum.
fait, c'est compliqué. Hein. Enfin, c'est compliqué. En gros, time gain, je peux pas manger Kate et me manger moi. Du coup, ça va. Mais le truc, c'est que du coup, je suis limité dans mes all-in sur Caitlyn en fait. Après ça, mid il est en 5-0. 6-0 maintenant, bien joué à lui. Tout ça nous a permis de reprendre la pression bot. Comme ça, j'ai plus de sub. J'ai ulti pour pas qu'il puisse manger. Manger Caitlyn. On peut se la tuer tranquillement. Bah, écoutez les amis, c'est pas trop mauvais ça non plus. Je garde mon E pour quand la wave arrive, sinon je pourrais en mettre 15 sur la tour. Ça, je peux push la wave en même temps. Ah, je peux pas pouvoir la prendre vraiment. Allez, mon Q-spell! Ok, je vais reset. J'ai statique, bot. Statique et bot rang 1. Ça qui a juste pas me faire chier. C'est une gamine. Putain, elle est trop chiante! On prend la wave pour. Et on prend la tour prochaine wave, je pense. Sur la wave, enfin la tour, la ward, je veux dire. Je pense qu'on décale, non? Elle va me plus spell. Vas-y, elle m'a saoulé là, on la tue. Je fais pas de dégâts en plus. Je. Putain, pourquoi elle le prend? Ça va. Attention. Bon, j'ai 3000 gold là, est-ce qu'on peut faire un truc ou est-ce que je me casse? Attention, ça tapait quelque part. C'est forcément bot, mais ouf, là. Faire attention par là parce qu'il m'arrivait par ici. Moi je passe, hein, je m'en bats les couilles, j'ai un jump. Ok, ça va. Bon, back, j'ai un peu trop de sous là. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que tu fais, bro. Je viens de dire te back, mais. Je vais te laisser gérer ça, vas-y, on va faire bot rang 2. Tant pis, c'est pas le meilleur recall qu'on puisse faire, mais. C'est pas super opti en termes de gold, mais tant pis. Trade kill, il va falloir def ça, quoi. C'est pas fameux. Après ça va parce qu'il est mort, enfin il a tué Caitlyn après être mort, du coup ça donnait un bounty à Kate.
problème c'est que ça, voilà, on va perdre le Drake quoi. Je vais récupérer la pression batte. J'ai chaud! Pourquoi j'ai chaud, melon? C'est vrai que ça pue de t'arriver en fait. Hein. T'as pas monté le chauffage par hasard? Si elle me veut, elle est seule, je la bute hein! Voilà, c'est ça, voilà! Appelle ton support un peu là! Arrête! Ouais, plus de flash time. Oh, c'est Polio qui joue Malza, j'avais pas vu. Je vais décaler bot side, je me sustain encore un peu sur le carap en passant. Elle est seule pour l'instant, normalement il y a peut-être KZX par contre. Après on a une bonne vision, hein. Je pense que probable que KZX soit passé dans la jungle sans faire ses camps et tout. Ça m'étonnerait qu'il ait couru tout droit. Après, dans tous les cas, je vais prendre la wave. Saut de sangle d'IE. Tentez de cheese. Caitlyn. Là, je suis KO un heal. Je sais pas si c'est ouf. Il vient de manger un creep donc je prends. Oh putain de merde! Oh, trop stylé! Ah, my bad. Je me suis fait outbrain. Après, il va mourir, mais. En fait, je vous explique mon raisonnement. Si il tue les gens, ça va, mais c'était pas prévu, on va pas se mentir. Oui, bah, move over, c'est parfait. En fait, je vous explique mon raisonnement. De pourquoi est-ce que j'ai pas. Oh, exécute parfait. De pourquoi j'ai commit autant. En fait, je me suis dit. Tamken vient de manger un sbire. Du coup, vu qu'il vient d'utiliser un de ses spells pour dépush la wave, c'est très peu probable qu'il ait du backup en fait. Que des gens arrivent. C'est pour ça que j'ai stay en fait. J'ai stay et que j'ai commencé à taper la tour en mode bas les couilles. Mais en fait il m'a brain, donc je pense pas que c'était volontaire. Mais ça m'a surpris pour le coup. Après ça va, du coup c'est worse, on prend la tour, 3 kills en plus. Ce qui est pas trop mal. Putain, il arrête d'essayer d'enlever un Caitlyn. Il perd à chaque fois, au mieux il trade kill quoi. Du coup j'ai deux items, je vais taper un peu mid, il me faut mon putain de... ma QSS. On vénère sur moi. Ça revient trop vite si tu ultimes Alza aussi. J'ai rien fait Polio. Laisse moi tranquille. Il a plus de flash, du coup plus d'ult. C'est la mort, bro. Ah bah, c'est la mort pour toi aussi, apparemment. C'est slow, c'est horrible. Ok, nice, c'est pris ça. Allez, encore 400 gold et j'ai ma QSS, il pourra plus me tuer. Le tournoi Wax, ouais, je sais. Bah, j'ai pas rien. C'est fini déjà? Ok. Je finis vite, enfin j'essaie de terminer vite. Ils ont trop de tours d'avance en fait.
pense qu'il a l'ulti là. Il est trop chiant. C'est quoi le but? Laisse-moi tranquille. Ah, pas lui. On l'a eu cette tour. Nice, en plus j'ai l'assist. Oh, il va y tuer tous les deux. Oh, let's go, bien joué ça. Okay. Ouais, après il était super smart là-dessus, c'est Talia. La seule possibilité qu'il ait échappé, c'était de partir vers le haut. Et puis on le bloquait dans tous les cas. Perso de con, Kha'Zix, c'est invisible combien d'années, genre. Arrêtez! Arrête de multi, Polio! Hey, tu flashes pas toi. C'est trop obvious ça, ce play, Sartorius. C'est trop obvious. Aïe. Ça va être chaud là par contre. C'est une patate, merci. Alors, pour ma défense, vous pensez ce que vous voulez, mais la prise d'information était bonne. C'est-à-dire que j'ai ping que j'allais y aller. En fait, j'ai fait tab, j'ai regardé s'il avait un flash, J'ai ping que j'allais y aller, il a ping qu'il allait y aller. J'ai re-ping que j'allais y aller. Et il a mis pause, genre, donc j'ai go. Et il a raté son taunt flash, c'est dommage. Mais la prise d'information était bonne, hein. En vrai, j'ai bien joué. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Après, je me suis pris le filet et le Q. J'aurais pu les flash, mais je pense que c'était pas nécessaire dans l'absolu. Et je crois que j'ai raté des subs avant. Il est trop chiant, Polio. J'ai l'impression qu'il utilise tout le temps tout le monde, genre. Attendez, j'avais raté Didoum, je crois que je l'avais dit, Amerigo, que j'avais raté, je crois. Et sinon, on est bon. Merci à vous. Est-ce que je peux tuer Gnar? J'ai une QSS, j'ai un flash. Il va morph en gros, il va plus être dangereux. Ok, putain, il fait mal quand même. Il fait plus mal que ce à quoi je m'attendais. Hein. Juste je cours. Hein. Il est mort, hein, ce qui était l'ulti principal, j'ai dû créer mon flash. J'aurais dû QSS l'ult. Je me dis que j'avais l'ulti sur son ulti, comme ça peut m'arrêter le tempo. Et que j'étais pas forcé de c'est ma QSS, donc mon ulti a un plus petit CD que ma QSS. Mais j'ai sous-estimé ses dégâts, je vais pas vous mentir. Et surtout le fait en fait qu'il ait un cutlass, là, il est en train de faire BRK, j'ai pas vu ça en fait. Il a zéro armure. Je vais éclater, ouais. Je vais chercher le raid. Un peu peur de Kha'Zix quand même, hein. Merci Pendelio pour le sub. Tu veux prendre la pression mid? J'ai un peu peur de Kha'Zix. Nice. Faut qu'il aille celui les gonds penaches là. Juste que je sustain un peu moi. Ok, du coup à 3 items.
Attendez, qu'elle a plus besoin d'acheter de que ça. Par contre, elle a beaucoup de stuff, hein. C'est vrai qu'elle a autant de stuff. Ils sont peut-être 2 tours de plus. Et elle a 2 kills de plus. Ah, j'ai trop d'assists. Peu tard pour le Nash, hein. Il faut clear la vision. Je m'emballe un peu là. Hein. On a besoin de chaîne qui le tank là. Nous n'avons pas de tank. Il faut aussi clear cette pink. Je me suis emballé. Je sais que c'est, j'ai su que c'était une erreur au moment où j'ai appuyé sur Z en fait. Je vais prendre Sévresse quand même vite fait là pour la forme. En fait, indépendamment du fait que j'ai jump dans un trap, ce qui était pas fameux déjà de base, c'est qu'en gros en fait on a eu notre objectif genre. On a pris le Nash, c'est bon, c'est ce qu'on voulait, c'est fine, genre y a pas besoin de rester et d'aller chercher plus en fait. Parce qu'en fait au mieux on a des kills qui vont rien nous donner parce qu'après on va back. Et au pire, on perd tout le Nash. Et tout le monde meurt. Merci à toi, Guise. Qu'est-ce que Brabus... Brabusy trop fort. Trop parti, je crois que tu as 5 watts de Bélizou. Bah écoute, merci à toi et bonne chance à Brabusy pour son dessin. Ça va être easy. Bon, j'ai 13 assists, c'est un peu chiant, mais. Natsugré, merci pour le sub, bienvenue. N'hésitez pas si vous avez des Twitch Prime pas utilisés à en profiter. Oh, ça fait mal ça. Oh, ça fait mal ça aussi. Ok. Chier, son jeu a pas proc sur mon auto. Il y a eu un soleil qui lui a sauvé les fesses, Tatorius. Hein. Il m'a tellement disrespect. On peut prendre la tour. Après, je vais chercher le raid. Pas très grave, hein, que je la tank. Merci, demi pour le sub avec Twitch Prime. Manque de sangle là pour ça. Et merci Minikit, merci pour ce Twitch Prime les amis, merci aussi à Dorzone qui va pop juste après. Ok, il a tué Kha'Zix, ça part en fight. Ok, juste aller prendre le Drake, go jouer les objectifs un peu. Et derrière on reset, il nous reste combien de temps de Nash? 30 secondes? Ouais, on va juste back, j'ai ma scimitar, c'est trop. Ça a trop de value ce truc. On n'aura pas masse utilisé le Nashor, mais on a récupéré toutes les T2. Ainsi qu'un Drake, ce qui est pas trop mal. Permis d'attendre mon quatrième item. Kate a toujours son GA. Kyrie fait 5-11 avec Kha'Zix, putain de merde, il y a 11 morts! C'est beaucoup, gars. Go finir avec ce nul, c'est parti, t'inquiète mec, je vais atteindre cette game. Là c'est bon, on est sur les power spike. Mettre une petite auto là.
sera pour toi du coup. Ok. Talia est morte, hein. Fait trop mal, Malzahar. Je vais partir en couille. On va partir. Crazy Casta, merci pour le resub. Je vais aller chercher le raid. Je fais une essence, une essence river, je pense, dernier item. Ils ont pas d'armure. Ok, niveau 17, c'est pas mal. Gagne encore un peu de range. Niveau de la game, le truc de crit donne plus de dégâts que BF, je pense. Ça fait chier, est-ce qu'on va pouvoir. Enfin. Faut qu'il y ait un truc qui nous débloque la game là. J'ai une QSS, j'ai tous mes sums donc. I will one shot that shit now. C'est exactement ce qu'on veut, ça. Je m'emballe, désolé. Je suis un enculé! Et again, really sorry. Putain, mais je suis un enculé! Merci à toi, petit poutou! Putain, je sais que c'est de la merde en plus, je le dis même en sautant, genre. Après, pour ma défense, je pensais pas qu'il y avait Kha'Zix, tu vois. Enfin, je pensais que Kha'Zix c'était. En gros, Malzahar était là, je pensais que Kha'Zix c'était genre là, tu vois. Je troll. Je pense que j'ai plus de dégâts avec ça, par contre. Si en plus, oh là là, j'ai tellement int. Putain merde. Je me hais. Je cours. Allez ma team, vous êtes les meilleurs. Ok, Kayn est mort. Ils ont Ignar, je vais arriver. J'arrive. Je veux pas y aller cette fois. Cette fois on y va pas. On l'a fait une fois, c'est bon. Je suis désolé, je vais la terminer, j'ai 6 items, c'est bon. C'est un jeu, c'est normal de chercher le fan. Merci, Rivers. En vrai, c'est vrai que c'est juste pour l'amusement. On n'est pas, y a pas du tout des gens qui sont en train de m'attendre, je pense, pour la game là, le tournoi. 30 secondes, le Drake. On a juste à le faire. J'ai plus de flash. Ça, là, je les ai bien détruits. Là, j'ai trop de dégâts. C'est trop bien les sens Rivers sur Triste. Oh.
lancer le push bot. J'ai pas encore de QSS. Hein. Son K était top là. Ouais, le Drake est à nous. Hein. À peu près, il peut nous le voler, mais. Bon, je le détruis. Oh, c'est bon, il est à nous, il est à nous. Il est à nous, ce dragon, il est à nous. Allez, j'ai ma QSS, j'ai juste pas de flash. Qui est top. Il va passer le sida. Arrête. Ok, c'est bon, c'est Shen qui l'a eu. Allez, Kha'Zix, c'est out. Oh, la rédemption, c'est un peu overkill, mais... Merde, la tour. Oui. Merci à toi pour le don, le sub, je sais pas. C'est normal de chercher le fun, ils ont dit les viewers. Hein. Oh merde, putain, fuck, fais chier. La game aurait été bien si j'avais pas une mémoire, mort, mais... L'important, c'est la victoire. Du coup, ça m'a permis d'avoir 6 items. Plus de dégâts, plus de fun. Un petit Drake, un petit Nash. Joue Honor Shen. Je pense que Jana a fait du bon taf, mais Shen, c'était le mec qui nous remettait dans le droit chemin quand on s'est parti en couille. Merci du coup à Pharaos qui s'est sub et à Gringam qui ont pop... pendant la game, désolé. Pour là. Bon, nice, 10-3-4, c'est pas mal quand même. Bon, j'ai fait de la merde une fois, vraiment. Mais à part ça, ça... 6400 dégâts. À part ça, en vrai, ça, la game était plus ou moins propre. La game était plus ou moins propre. Plus 20 LP, nice. C'est 113, on va voir juste où est-ce qu'on en est rendu. Dans le Halos. 27ème. Voilà, on récupère le top 30. On est juste devant Rati RL. Nickel, nickel, ben voilà, je vous laisse les amis de YouTube, des bisous à vous et à la prochaine.